Mon Dieu. Oh, Nebinaz. Qu'est-ce qu'il y a? Jusqu'à ce que tu me donnes l'argent que je te demande. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Oh, Galido. Regarde, j'en ai jusque-là, avec toi. Il est grand temps que tu commences à assumer les responsabilités de ta famille. Toutes les responsabilités. Ogonna, je t'en prie. S'il te plaît, je n'ai pas de temps pour toutes ces bêtises ce matin. Ogonna, je dois me rendre à un endroit très important. Je peux être en retard. Ah, ça, je t'en prie, s'il te plaît. Si j'avais été toi, je me serais respecté ce matin. Je t'en prie. Tu as menti. Asigi. L'argent ou tu n'iras nulle part. Ogonna, je t'en prie. Peu importe ce que tu attends de moi. Je t'en prie. Il est encore trop tôt. Papa, pourquoi ne pas donner à maman cet argent comme ça elle te laisse tranquille? Tu sais, dégage! Oh. Alors comme ça nous sommes arrivés au point où tu parles quand je parle avec ta mère, c'est ça? Hein? Non. Attends, écoute-moi. Écoute-moi très bien, je vais fermer mes yeux. Et avant de les ouvrir, je veux que tu sois dans la mais maison. Mais pourquoi? Tu me demandes pourquoi? C'est pas toi que je m'adresse. Laisse l'enfant tranquille. Mais pourquoi? Sorcière! Tu vois? Tu vois ce que tu causes dans cette maison? Regarde ce que tu apprends à cette petite fille. Comment devenir un soldat dans ma maison? Tu transformes ma maison en une caserne. Pas de problème. Écoute, je me couperai de ça bien plus tard. Mais ce que j'attends de toi maintenant, c'est que tu me laisses tranquille, Ogonna. Je ne le ferai pas. L'argent, ou tu n'iras nulle part. Ogonna, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Ne m'oblige pas à faire ce que je vais regretter plus tard. Ogonna, laisse-moi tranquille. Un, tu ne peux pas me laisser. Laisse-moi tranquille. Deux, je vais... Et toi, parle à ta mère. Dis-lui de me laisser. Maman, laisse-le tranquille, s'il te plaît. Ogonna, laisse-moi tranquille. Trois. Qu'est-ce qui t'arrive? Sorcière, stupide fille, que le tonnerre te frappe. Maman, stupide homme, tu vas revenir me retrouver dans cette maison. Non, reviens encore, m'arrêter. Espèce de chèvre. Ça va aller, maman. Laisse-moi venir m'arrêter. Comment j'ai fini avec cet homme? Tiens. Comment? Dieu va te punir, stupide homme. Maman, ça suffit. Ça va aller. Espèce d'imbécile. Ça va aller. Je ne veux pas me casser la tête. Non, je ne veux pas me casser la tête du tout. Ah, Ikenga. Ah. Mon très bon ami. Obi. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi, comment tu vas? Très bien, merci. C'est très tôt pour toi de sortir, mais ça ne te ressemble pas. En tout cas, dans mon cas, je vais au marché pour acheter des marchandises pour ma boutique. Ah. Ça ne te ressemble pas de sortir tôt comme ça. Mon frère, au moment où je te parle, une partie de moi est à Ziana et l'autre partie de moi est dans notre village. Je m'en vais à Zana pour récupérer l'argent qu'ils me doivent pour le travail que j'ai fait pour eux. Tu sais qu'il faut que je me dépêche pour pas qu'ils le donnent à quelqu'un d'autre. Ah, une affaire d'argent. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui part prendre l'argent et cette personne est fâchée. Mon très bon ami, si tu le dis, c'est une affaire d'argent. Mais détends-toi, ne sois pas aussi Oh, Biora, tu ne peux pas comprendre. Si jamais tu vivais chez moi, tu n'aurais jamais connu le bonheur. Hein? Au bureau, écoute, j'ai deux sorcières. Hein? Le travail, c'est de me tourmenter matin, midi et soir comme si je mangeais de la nourriture. Mon frère, on ne peut pas avoir cette conversation maintenant. Comme je te l'ai dit, je me dépêche à Ezama pour récupérer mon argent. Le temps n'est plus de mon côté. T'en fais pas, dès mon retour, je viendrai dans ta boutique. Nous parlerons calmement. Ok, mon frère, pas de soucis. Ah, Obi. S'il te plaît, laisse-moi me dépêcher, ok? Vas-y doucement. On en parle après, ok? Ok. Qu'est-ce qu'il y a, Ogonna? À te voir ici ce matin avec ta fille en train de pleurer, j'espère que tout va bien. Mais tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien. Ton neveu Ikenga me traite, moi et mon enfant, très mal. Il ne souvient pas à nos besoins. Ah? Donc Ikenga n'a pas changé?
C'est quoi le problème de ce garçon? Des fois, il frappe ma mère. Hein? Oui. Ogona, il te frappe? Mon père nous déteste vraiment beaucoup. J'ai déjà vu le père de mes amis prendre soin d'eux et de leur mère. Mais mon père à moi est différent. Il agit et se comporte différemment. Ma fille, calme-toi. Il ne vous déteste pas. Hein? Peut-être que ça pourrait être un petit malentendu, hein? Ogona, s'il te plaît, je lui parlerai demain pour m'assurer qu'il arrête avec ses comportements stupides dont tu te plains de lui chez moi. Je t'en prie. Merci. Merci beaucoup. Merci, Né. Merci. Détends-toi, hein? Je suis reconnaissante. Détends-toi, tout ira bien. On doit partir maintenant. Ah, ok. Au revoir. Ok. Prenez bien soin de vous. Donc Ikenga n'a pas changé. Hein? Je me rappelle quand Ikenga se pavanait dans tout le village et dire, hein, à tout le village qu'il aimait. Dès qu'elle est tombée enceinte de lui et a été envoyée chez lui, son attitude envers elle a changé. Je pense qu'il faut vraiment que je lui parle pour qu'il arrête ce mauvais comportement. Ah, ah. Voilà, mon oncle. Bonjour, mon oncle. Mon oncle. Bonjour. Oui, Ikenga, oui. Dieu soit loué, je t'ai vu ici. Je prévoyais venir te voir en soirée. Oui. Oui. Mon oncle, j'espère que tout va bien. Ikenga, tout ne va pas bien. Ta femme et ta fille sont venues chez moi pour se plaindre de ton mauvais comportement envers elles. Mon oncle, je suis désolé de dire ça. Tout d'abord, Ogona n'est pas ma femme. Hein? Elle est juste la mère de mon enfant. La mère de ta fille. Attends un instant. Attends, oncle. Est-ce que tu viens de dire qu'elle serait venue se plaindre de moi chez toi? Tu vas fermer ta gueule. Si elle ne se plaint pas chez moi, chez qui iront-elles se plaindre? Oh, je ne suis plus ton oncle maintenant. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Bien sûr que tu es mon oncle préféré. Non, désolé mon oncle, ce n'est pas ce que je voulais dire, c'est juste... Ikenga, ta femme et ta fille sont venues se plaindre chez moi du mauvais traitement que tu leur infliges, hein? Au point de lever ta main et frapper sur elles. Ikenga, si je peux te demander, où as-tu appris ça? Oui, moi, non, 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 non. Oui, hein? Laisse-moi te demander, quand ton père était en vie, avait-il maltraité ta mère? Ou encore, avait-il ne serait-ce que levé le petit doigt contre ta mère? Hein? Mon oncle, tu me connais très bien. Hein? Tu me connais très bien, je n'aime pas me plaindre. Uh-huh. J'aurais aimé que tu sois à ma place pour comprendre le mal que ça fait. Mmh. Mon oncle, si tu savais ce que je traverse entre les mains de ces sorcières, si tu savais ce que j'endure entre les mains de ces deux sorcières, tu auras pitié de moi. Mon oncle... Honnêtement, ces deux sorcières me font beaucoup souffrir. Elles me causent beaucoup de tort. Mon oncle, en tant qu'un bon oncle, tu m'aurais conseillé de les foutre toutes les deux à la porte. Hein? Si tu savais ce qu'elles me font subir. Ikenga, mettre qui à la porte? Ta femme et ta fille? Écoute, laisse-moi te dire. Tu as une très bonne femme. Hein? Et une belle fille. Tu parles d'Ogona? Oui. Ikenga, rentre à la maison et prends soin de ta famille. Apprends à mettre la paix dans ta famille. Que la paix soit dans ta famille. Degu Dodja. Okwango Hanono. Mon nom, mais qu'est-ce que je n'ai pas essayé? Degu Dodja. Mon oncle, attends, laisse-moi te dire. Ok, maintenant qu'on en parle. Laisse-moi maintenant. Non, mon oncle, attends, laisse-moi t'expliquer les choses. Mon oncle. Ogona, Ogona, c'est quoi ton problème? Ogona, c'est à toi que je m'adresse, quel est ton problème? Dis-moi pourquoi est-ce que ta stupide fille et toi est allée chez mon oncle pour vous plaindre de moi? Tu perds la tête? Quel est votre problème, espèce de sorcière? Hein?
Pourquoi ne devons-nous pas aller chez lui pour nous plaindre? Hein? Hein? Ekenga, qui t'a dit que nous sommes contents de la façon dont tu nous traites dans cette maison? Hein? Pas de soucis. Non, pas de soucis. Vas-y, continue. Écoute, la prochaine fois, n'oublie pas d'embaucher un messager. Va à travers tout le village et plains-toi qui voudra bien t'écouter, idiote. Je ne t'en veux pas. N'importe quoi. S'il te plaît, va dans la cuisine et apporte-moi à manger, j'ai faim. Ne suis-je pas en train de parler à quelqu'un? Ou es-tu soudainement devenue sourde? Oh mon Dieu. Pas de problème. Je peux avoir les clés de la cuisine. J'irai me servir moi-même. Quelle nourriture! Hein? S'il te plaît, laisse-moi tranquille. J'ai passé une journée très, très stressante et je ne veux pas parler. Mais quelle bêtise! Tu es vraiment stupide! Qui est le chef dans cette maison? Qui est le chef dans cette maison? Tu me dis carrément que je ne veux pas manger dans ma maison. Tu es malade? Que veux-tu manger? Hein? Non, je suis en train de te demander, Kenga. Quand tu as quitté cette maison le matin et j'ai demandé la nourriture, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Non, qu'est-ce que tu m'as fait? Regarde-toi, ma nana. Moqué. Dans d'autres familles, d'autres très bonnes familles que je connais, les hommes s'occupent de leur famille. Les vrais responsables de toute la famille. Mais ton cas, est tout à fait le contraire. Tu ne donnes pas l'argent pour la nourriture, tu veux manger. La malle est tombée du ciel. Je n'ai jamais vu des choses comme ça. Ogona! Ogona! Quoi, moi? Ogona! Tape-moi! Ogona, ne me pousse pas à bout. Remercie tes étoiles que je sois de bonne humeur ce soir. Remercie tes étoiles que je sois de bonne humeur cette nuit. Sinon, je t'aurais donné une bonne leçon. Tu ne serais pas assise là, en train de manger, avec ton visage en bon état. Oui, c'est ça. Pas de problème. Pas de problème. Viens me taper. Viens manger, non? Viens me manger. Espèce de vauria. Gaga. C'est ce qu'on verra. Gaga, bia, gago. Tu finis de pavaner dans le village comme un fou. Tu veux me manger? Homme sans vergogne. Agourga Goubougi. Bonjour, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Papa? Tu n'as pas mangé? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai déjà mangé. Papa, j'aimerais te poser une question. Pourquoi est-ce que tu nous détestes autant, maman et moi? Tu ne te soucies même pas de moi, ta fille. Alors, si je comprends bien, c'est ce que ta mère t'a dit de venir me demander ce matin. Hein, Chuma? C'est ce que t'as dit? Ton état a pris à insulter tout ce qui s'approche de toi. Dis-moi un truc. As-tu déjà posé une question pareille à ta mère? Non, papa. Maman fait de son mieux pour qu'on vive en paix. Mais c'est toujours toi qui la frappe toujours ou lui crie dessus. Tu ne subviens même pas à nos besoins comme les autres pères le font pour... Il est grand temps que je te donne une leçon. Maintenant, écoute-moi. La prochaine fois que tu diras de tels propos, je te trancherai la langue pour en faire du bouillon. Et je m'assurerai que tu le manges, idiote. Maintenant, entre. Va à l'intérieur. Donc c'est comme ça que tu te pavanes partout à insulter les gens. Allez, dedans. Entre, entre, debout. Allez, allez, entre. Stupide fille, que je t'entende encore dire un truc pareil. Idiote, ça ne m'aimera le bol de manger cette nourriture. Et toi, où est l'argent que tu as pris sous ma valise? Je le veux. Apparemment, vous ne voulez pas que je mange cette nourriture. Je vais partir de cette maison et je ne reviendrai plus jamais. Mais c'est quoi toutes ces conneries? Hé, Kenga, mais tu sais que cela n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu vois cet argent? Je ne veux même pas entendre des histoires parce que je veux l'utiliser pour quelque chose. Donne-le-moi. Tu ferais mieux d'aller demander à ta fille. Demande à ta fille toutes les choses que tu lui enseignes, elle les applique maintenant. Idiote. Hé, Kenga, laisse mon enfant en dehors de ça. Laisse qui? Laisse-la en dehors de laisse ça. Laisse qui? Donne-moi mon argent. Hein? Parce que les gens viendront ici pour toi et moi. Tout le monde entier viendra pour toi et moi. Ok, tu ne veux pas le faire, hein? Non, tu ne veux pas me donner mon argent, n'est-ce pas? Pas de soucis, vas-y. Mais tu vas revenir dans cette maison et tu seras désolé. Ogona, essaie pour voir.
Et ses pouvoirs. Écoute, que je sorte et que je revienne et je ne trouve pas mes affaires où je les ai gardées. C'est alors qu'on saura qui est le mari et qui est la femme. Vas-y, ses pouvoirs. Ikenga, tu seras désolé. Je vais te montrer. Vas-y. Je vois que tu tiens à la main. Vas-y. Tu tiens vraiment à mourir. Essaye et tu sauras qui est le mari, idiote. D'accord. Pars. Je te l'ai dit. Que j'en trouve pas mes affaires où je les ai gardées. Tu sauras enfin qui tu es, idiote. Ok. D'accord. Va et reviens. Tu seras désolé, Ikenga. Tu seras désolé. Anofia. T'en fais pas. Si j'arrive là, tu vas quitter ma maison. Pas de soucis. Ikenga, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Obiora. Ah, ton visage, il n'est pas radieux, mais c'est quoi le problème? Obiora. N'est-ce pas c'est à cause de ces deux sorcières que j'ai chez moi? Écoute, ils ont décidé que je vais faire un AVC dans ma propre maison. J'ignore comment je me suis retrouvé dans tout ça. Je ne sais pas. Hey! Tu parles de tension? Mais non, t'es trop jeune pour avoir la tension. Ah, qu'est-ce qui s'est encore passé ce matin? Mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Par où vais-je commencer? Commence par là. Par où vais-je commencer? Tous les jours, il y a un nouveau problème. De mal en pis. Vas-y. Oh, Seigneur. Ikenga, je n'aime pas ça. Hein? Tous les jours, tu viens dans ma boutique, tu te plains d'un problème à l'autre. Ogona. Je n'aime pas ça et en tant que ton ami, ça me fait mal. T'as pas de paix dans ton foyer et ça n'a pas de sens pour moi. Hein? Regarde. C'est même mieux de faire la paix avec elle. Hein? Fais la paix avec elle, ou mieux encore, trouve une solution éternelle à ce problème, mec. Comme ça, tu auras la paix. Si tu continues comme ça, tu finiras par mourir de tension, mec. Quoi? Oh bien, que Dieu m'en préserve. Que Dieu m'en préserve. Moi, Ikenga, je ne mourrai pas. Pourquoi? Ogona et sa fille ne pourront pas me tuer. Écoute, oublie le fait que je me plains chez toi. Elle ne peut pas. Je sais quoi faire. Je sais quoi faire. Ah. Je garde juste le silence. Très bientôt, elles sortiront de cette maison. Ah. Si je m'égosille à te parler ainsi, c'est parce que je suis ton ami le plus proche. Cette petite boutique que je me débrouille avec, c'est tout ce que j'ai. Au bureau, écoute, laisse-moi gérer. Je sais quoi faire. Fais quelque chose, mec. Fais quelque chose. Elle ne peut pas me tuer dans ma propre maison. Ok, moi je vais voir avec quoi je vais m'occuper. Hein. Mange. Ça, c'est ma petite fille chérie. Maman? Hey! Honneur! Easy, maman! Maman! Moi, comment tu vas? Maman, bienvenue. Comment tu vas? Bien, maman, tu ne nous as pas dit que tu venais. Tiens, entre avec le sac de maman. Némé. Maman. Hey. Nous sommes en train de manger. Nous venons de commencer. Viens te joindre, Ado. C'est quoi cette chose que tu appelles nourriture? Hey! Mais maman, c'est la nourriture, c'est non? Hein? Nourrir quoi? C'est quoi ce genre de nourriture? Attends, c'est avec ça que tu nourris ma petite fille? Hey! Tapioca! Maman! Tu veux que ma petite fille devienne aveugle? Maman! Hey! Ogona! Ogona! Donc tu me mentais. Donc tu faisais semblant quand je venais ici. Tu fais semblant comme si tout allait bien. Je t'ai attrapé aujourd'hui. Je t'ai attrapé. Hey! Dieu! Où est-ce qu'il est? Où est ce stupide homme qu'on appelle Ikenga? Où est-il? Maman, il n'est pas là. Il est sorti. Hey! Ok, il n'y a pas de souci. Prends ce tapioca maintenant. Couvre-le et garde-le lui. Et quand il va rentrer, il va me dire le pourquoi. Toi et ma petite fille, mangez le tapioca dans cette maison. Dieu merci, je suis venue avec quelques provisions. Va faire quelque chose de bon pour que ma petite fille mange. Dépêche-toi. Vous mangez du tapioca. Maman. Hey! Timon! Maman, bienvenue. Vas-y, entre. Hey, je vais entrer. Va préparer. Je le ferai. Hey! Tu
Kené, Kené. Mon ami mange les arachides. Mange les arachides. Mange les arachides. Merci beaucoup, mon. Non, c'est rien. C'est rien. Merci. C'est rien. Cette banane est gourde, hein? Mais succulent. Tout ce que je vends ici, tout ce que je vends ici est succulent. Je sais pas si c'est à cause de demain. Elle est bonne. Très bon. Tout ce que je vends dans ma boutique est bon. Wow. Les tourtereaux. les tourtereaux. Oh, bio. Bon. J'aime vous voir aussi, amour. Ça, c'est vrai. Toutes les copines que j'ai, elles veulent juste venir ici pour vider ma boutique. Ah, mon frère, qu'est-ce que t'es chanceux. Je sais de quoi je parle, car je sais qu'il y a beaucoup de filles. Mais pour trouver une femme, c'est très merci. Difficile. Alors tu dois faire attention. Merci. Comme ça, elles ne viendront plus vider ma boutique. Eh, bonjour. Oui, bonjour. Je vais bien. Qu'est-ce c'est que combien tu veux? Combien est-ce que ça coûte? Indomie, pour combien est-ce que tu veux? D'accord, je prends pour 150. Oh, le plus gros? Oui. Aussi petit que tu sois, tu manges un si gros paquet. Ce n'est pas un souci. Tu peux en acheter plus. Il faut croire que notre présence apporte de la chance. Ah. Rassure-toi plus de clients. Ne peux-tu pas voir ce beau visage-là? Ce beau visage? Ouais, tu vois. La monnaie. C'est important de la chance. La chance du ciel. Mon frère, reviens toujours acheter, hein, pas seulement les Indomie, tu peux aussi acheter. Regarde, il y a du coup d'autres choses. Écoute, tu devrais faire ta publicité leur dire. Non, ils viendront. Ils viendront. Ok, ils viennent déjà. Hé, ils viendront. Hey, les tourtereaux. Les tourtereaux. Hé, hey, le tour va aussi arriver quand? Tu as de la chance. Tu veux plus de bananes? Ma chérie, mange. Mange. Grand-mère. Hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé une bonne nourriture comme ça. Je sais, non? C'est pas ce genre de choses que vous mangez tous les jours ici. Régale-toi, ma chère. Voici le genre de nourriture que tu dois manger. Comme ça, tu vas bien grandir. Hey! Hey. Ah! Grand-mère! Hmm? Est-ce que tu sais que mon papa nous déteste beaucoup? Il ne nous donne pas de l'argent pour quoi que ce soit. Et des fois, il frappe ma mère. Vraiment? Oui! Donc, toutes ces choses se passent dans cette maison? Hey! Maman, des fois j'essaie de lui parler, mais il n'écoute pas. Au contraire, il me dit « Dégage, va-t'en !» Eh bien, je suis encore un enfant. Alors... Hey! Pas étonnant que ma fille perd du poids à chaque fois que je la vois. Hey! De toutes les façons, je vais résoudre ce problème avant que je ne parte d'ici. Je vais résoudre ça. Mais grand-mère, n'hésite pas à ma mère ces choses que je t'ai dit. Car elle va se fâcher contre moi. Et je ne veux pas qu'elle me tape. Ne lui dis pas, s'il te plaît. Je ne lui dirai pas. Je ne lui dirai rien. Hé, hey, Ikenga. Hé, hey, maman. Faut manger. Maman. Oui, où es-tu allée? Maman, viens manger, non? Viens manger et régale-toi. Assieds-toi là. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Tu viens aimes? Hey. Maman. Ikenga. Bienvenue. Maman, tu es là. Je ne savais pas que tu venais. Donc, c'est à cette heure que tu rentres chez toi. Hein? Donc, tu rentres en croyant qu'elles sont déjà couchées. Je veux dire, ma fille et ton enfant. Avec le ventre vide, comme d'habitude. Ou peut-être comme elles ont dû boire l'eau tapioca. La même chose que tu les donnes de boire chaque jour. Comme ce qu'elles ont bu ce matin, quand je suis venue. Ikenga. Hein? J'ai même entendu dire que quand ma fille parle, tu la tapes. C'est bon, ne t'en fais pas. Je suis là maintenant. À bien, maman. Maman, honnêtement, je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Est-ce que ta fille t'a dit qu'elle mourrait de faim chez moi? Bien, puisqu'on en parle, je lui ai dit maintes fois de partir de chez moi. Que je ne l'aime pas, que je n'en veux pas. D'ailleurs... Tu es au courant de tout ce qui s'est passé. Tu es l'une des personnes qui lui a demandé de rester chez moi. Est-ce que tu peux la fermer? Je ne la fermerai pas, maman. Où serait-elle allée? Où serait-elle allée, sachant qu'elle porte ton enfant? Quel enfant?
Quel enfant! Cette petite sorcière là-dedans, avec qui elle conspire de me tuer dans cette maison. Mais ça n'arrivera pas. Je ne mourrai pas. Demande à ta fille. Oui, demande à ta fille. Je ne l'aime pas. Je ne l'admire pas. Je lui ai dit en face que je ne l'aime pas. Mais elle est toujours là. Qu'est-ce qu'elle fait chez moi? Idiote. Ikinga. Elle est où? Elle est où? Regarde, voici la maison de mon mari. Je n'irai nulle part. Maman, dis-lui. Je n'irai nulle part. Ikenga, donc c'est vrai que tu maltraites ma fille. Ikengero, Iboro, Ida, Djombajon. Tu es très méchant, Ikenga. Tu es méchant. Et écoute, j'ai maman, très honte. J'ai honte de toi, Ikenga. Maman, j'ai ça suffit. J'ai très honte pour toi. Ça suffit. Tu es très je méchant. Je n'accepterai pas ça. Tu es très méchant, Ikenga. Pas de j'ai problème. Très honte. Je constate que tu as fait hey tout ce long voyage pour te liguer avec ta fille contre moi. Aïe! Pas de problème. Regarde l'heure. Je n'ai pas de temps pour toi maintenant. Je t'ai souhaité la bienvenue. Voyons comment ça va se passer. Alors comme ça, tu as nourri ta mère avec tout ce mensonge. Ma fille n'a rien. Tu es de la mère, pas de la mère. Tu fais pas rien. Tu feras rien. Tu fais pas rien. Tu feras rien. Rien du tout. Ma mère est là. Nulle part. Tu aurais dû m'écouter avant de tirer des conclusions. Je vais taper. Elle n'ira nulle part. Tu me fais honte, je suis déçu de toi, Ikenga. Je suis maintenant là pour ma fille. Un homme sans vergogne. Laisse-le, ça y est, une question. Espèce d'idiot. Allons, allez. Un imbécile. Ma fille, laisse cette petite chose de garçon. Abon, man, cogni. N'importe quoi. Obiora. Obiora, merci beaucoup, mon ami, pour la nuit dernière. J'aurais dû commencer par te le dire plus tôt. C'est merci rien, beaucoup pour la nuit dernière. C'est rien. Tu es vraiment un homme. Tu es un homme. Ikenga. C'est rien, mec, tu le sais, hein. C'est rien, mec. T'es mon pote, mec. Comment comptes-tu gérer tout ce qui se passe chez toi actuellement? Comment? Je veux savoir. Obiora, la seule erreur que j'ai commise, c'était d'avoir amené Ogona chez moi. Après avoir donné naissance à cette sorcière, cette chose qu'ils appellent ma fille. Tu sais, aujourd'hui, je le regrette. Ah. Oui, mais j'ai déjà pris ma décision de me marier avec ma petite amie, Didi. Oui, c'est elle que j'aime. Tu sais, elle est la seule qui me comprend mieux et m'aime aussi. Bien, écoute, Ikenga, mon ami, t'es mon ami, mec. Amener une autre femme actuellement dans ta maison n'est pas une solution. Ceci va... Regarde, tu te bats déjà avec celles qui sont chez toi, mec. Et tu veux ramener une autre femme? Didi, tu veux l'épouser et l'amener dans une maison qui est déjà en feu? Mais non, regarde pas toi-même, ça ne marche pas. Obiora... Ça ne marche pas, mec. Obiora, tu parles comme un novice. Tu n'as jamais été marié. Laisse tomber. Tu n'as que des copines. Laisse tomber. Reste. Je vais te poser une question. Peux-tu rester avec une femme que tu n'aimes pas le restant de ta vie? Oh non, pas du tout, pas du voilà tout. Voilà ce dont je parle. Tu vois, t'es-tu déjà posé la question de savoir pourquoi je sors toujours tôt chez moi et rentre tard le soir? C'est simplement parce que je ne veux pas voir cette femme. Je ne veux rien avoir à faire avec elle. T'es sérieux? C'est aussi sérieux? Bien, je pense que tu sais le mieux ce qui est bien pour toi, hein? Mais en tant qu'ami, Ikenga, en tant qu'ami, je te conseillerais de ne pas prendre une autre femme. Ne viens pas avec une autre femme Obiora dans cette maison qui est en danger, mec. Obiora. Mais partout, c'est là. Il y a le feu dans toute la maison. Je te conseille pour toi-même. Oh non, mais c'est la vérité. Oh, Obiora, s'il te plaît, tu peux me donner de l'eau? Laisse tomber ce que tu racontes, je ne vais plus en parler. Tu veux de l'eau? Donne-moi juste de l'eau. Ça, c'est drôle. Mon pote, t'as besoin de l'eau pour éteindre le feu. Non, mais t'es serré là, mec. T'as besoin de l'eau, mec. Donne-moi. Sinon, j'irai acheter. Mais non, okay. Mec. Je te donne de l'eau, mec. Ok, s'il te plaît, donne-moi. Je vais t'apporter ton eau. Mais avant, mon ami, tu veux celle qui est fraîche ou pas? Donne-moi de l'eau fraîche, s'il te plaît. Celle qui est fraîche. T'as besoin de l'eau très glacée, mec. Ta tête est en feu. T'as besoin de glacée, mec. Tu le sais, je t'apporte de l'eau. Je t'apporte de l'eau, mec. Oh. Pour rien au monde, je pourrais faire ça. Que je retourne avec Ogona. Jamais de la vie. Waouh, ta coiffure est très belle. Merci. Tu attends, es très belle. Où est-ce que tu as mis le... Ne t'en fais pas, je termine d'abord. Mon bébé. Ah, bébé. Ah, ma chérie. Waouh, qu'est-ce que tu es belle. Merci. Hey, Amaka, comment tu vas? Je vais bien, et toi? Je vais bien. Qu'en est-il de ton travail? Je rends gloire au Seigneur. Ah, chérie. Tu es bien coiffée. Vraiment?
C'est Amaka, elle vient juste d'arranger ma coiffure. Quelle Amaka? Amaka, celle qui est devant Amaka. Toi. Amaka. C'est vrai? Oui. Waouh. Je constate que tu as des talents que je connais. Je suis très douée à faire ce travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ikenga, Didi, je dois partir maintenant. Aussi vite. Oh. Reste encore, comme ça je t'apporte un truc à manger. Ne t'en fais pas, je dois aller quelque part. Je reviendrai plus tard, ne t'en Allez, fais pas. Tu t'en je m'en fais. J'espère que c'est pas moi qui te casse. Tu vas me manquer. Non, ne t'en fais pas. Au revoir. Mais salutations à ton père. Ok, okay. Pas de soucis. D'accord, au revoir. Prends soin d'elle. Waouh. Tu es très belle. Tiens, je t'ai apporté ceci. J'ai apporté ça pour toi. Hey. Ah, oh bim. Franchement, tu es en train de me gâter. Vraiment, je te gâte. Oui. Si je ne le fais pas, alors dis-moi qui le fera. Merci beaucoup. Je t'en prie. Mon cœur. Je voudrais que nous parlions de quelque chose. De quoi est-ce qu'il s'agit? Mon amour. Tu sais que je t'aime et que je t'aime tellement. Je sais. Et tu sais que je t'aime aussi. Oui. C'est juste... À chaque fois que je me rappelle que tu as une femme et une fille, à la maison, je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Bébé, arrête s'il te plaît. Ne gâche trop pas cette bonne humeur. Je te l'ai déjà répété tellement de fois. Je te l'ai dit un nombre incalculable de fois. Je n'ai pas de femme. Il y a juste une femme qui est la mère de mon enfant et qui prend soin d'elle. J'ignore pourquoi tu me le rappelles sans cesse. Je t'ai dit qu'elle était mon amie. C'est vrai que de temps en temps, nous couchions ensemble. Et elle est tombée enceinte. Et j'étais forcé de l'amener à la maison. Ce que j'ai fait. Après avoir accouché, elle a refusé de rentrer chez elle. Je n'aime pas Ogona. C'est toi que j'aime. Ok, laisse-moi te le dire. Didi Amaka. Moi, Ikenga, voudrais passer le reste de ma vie avec toi. Est-ce que ça te va? Non, tu veux vraiment m'épouser. Et ça, c'est ce que mon cœur désire. Oui, je veux t'épouser. Oh, Bim. Tu sais que je n'ai aucun problème avec le mariage. Et je te le dis tout le temps. Le seul problème pour moi ici, c'est que tu vis avec une femme. Oh, comment penses-tu qu'elle va réagir? Écoute, j'ai essayé plusieurs fois de la foutre dehors avec sa fille. Mais elle refuse catégoriquement. Je vais essayer une fois de plus. Si ça ne marche pas, je n'aurai pas d'autre choix que de te ramener chez moi. Oui, je le ferai pour toi. Je ne peux pas dire avec certitude que je suis prête à affronter tout ça. Oh, mon cœur, tu es le seul médicament à mon bonheur. Je veux que tu sois ma femme. Je t'aime de tout mon cœur. Et moi aussi, je t'aime. Si je veux que tu viennes rester chez moi. Oh, Bim. Il faut que je prenne le temps d'y réfléchir. Tu n'espères pas que je te dise simplement oui comme ça, sans réfléchir. Donne-moi du temps. Je comprends. Y'a pas de souci. Tu veux que je t'accorde un jour? Deux jours? Trois jours? Ok, quatre, cinq. Arrête. Dis-moi combien de jours. Car je suis patient. Ok, c'est bon, c'est bon. Je te donnerai du temps pour penser à ça, d'accord? Est-ce qu'on peut... Quoi? Peut-on aller à l'intérieur? J'ai envie d'être avec toi. Tu sais que pour toi, ce sera toujours oui. D'accord, alors à l'intérieur. Hey, cette histoire est intéressante, oh. Très bien. Cette histoire t'a plu? Chaque vendredi soir, il faut juste m'appeler. Hey! Hey! Papa, mon papa, fils. Bienvenue. Tu es là. Tu es rentré tôt.
cœur. Que penses-tu qu'il porte dans ce sac? Comment est-ce que je le saurais? Le seul moyen de le découvrir, c'est de... Tu le sais. Ouais! Tu as raison. Je reviens. Ah, reviens. Viens. Pas si vite. Pourquoi? Tu dois attendre juste un peu. Et quand tu seras en train de partir, ne passe pas par là. Tu dois passer par ici. Oui! Attention, tu sais. Il est toujours là-bas. Ici. Fais attention. Ok. Ah, oh, je sais, grand-mère. Hey! Hey, j'ai même pas apporté un couteau. Ah. Hey! Ah. Ewo. Mais que se passe ici, bon sang? Que se passe ici? Qui a pris la mamie de riz que je viens juste de laisser ici? Hein? Qui a pris la mamie de... Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une mamie de riz que je viens juste de laisser ici? Je suis en train de prendre un couteau pour couper l'oignon. Qui l'a prise? Je n'aime pas ce qui se passe dans cette maison. Je n'aime pas ce qui se passe dans cette maison. Je n'aime pas ce qui se passe dans cette maison. Mais que se passe-t-il ici? C'est quoi toutes ces conneries? Grand-mère, est-ce que tu sais que papa cuisine du riz? Vraiment? Oui, mais le dieu de justice, qui savait qu'il allait le manger tout seul, est parti avec la marmite. Oui! Hey, hey, hey. Hein? Et c'est comme ça que le dieu de la justice continuera à lui donner une leçon à chaque fois qu'il fera une injustice contre toi ou ta mère. Amen. 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 Donne-moi. Obim, Obim, honnêtement, je ne suis pas content du tout. J'ai très faim. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il te plaît, dis-moi, est-ce que tu as quelque chose à manger parce que j'ai vraiment faim? Tu ne vas pas croire ce qui vient de m'arriver chez moi. Je suis allé au marché et j'ai fait des courses.
Je suis rentré, j'ai commencé à cuisiner. Mon riz était au feu avec tous les ingrédients dedans. J'ai apporté l'oignon et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de couteau. Je suis allé à l'intérieur pour prendre le couteau. Et en ressortant, j'ai constaté que la mie de riz avait disparu. Hey. Juste comme ça. Hey. Ogona. Hey. Oh, Bim. Je sais que tu traverses beaucoup de choses. Maintenant, tu comprends pourquoi je te demande tout le temps de venir rester avec moi. Oh, Bim. Je comprends. Mais tout ira bien. Hmm? Attends, donne-moi un instant. Je ne suis pas du tout contente. Viens t'asseoir. Je ne suis pas contente du tout. Oh, Bim, viens t'asseoir. Comment je vais t'apporter à manger. Se volatiliser. Moi, celle-là, il y en a. Hein? Comment mes deux peut-elle se volatiliser? C'est moi. Ogona. Ogona. Ogona, ne marche pas sous la queue du tigre. Ne marche pas sous la queue du tigre. Pas de problème. Oh, Bim, ça va. Ça suffit. Regarde. Je fais un repas délicieux. Attends, je t'apporte de l'eau pour laver les mains. Ogona. Hey. Ogona me tente. Oh, Bim, ça suffit. Pas de problème. Hey, maman, merci. De rien, ma fille. Grand-mère, cette nourriture est vraiment, vraiment délicieuse. C'est comme ça qu'une nourriture délicieuse doit être. Ça doit être délicieux. C'est pas ce que votre père vous fait manger ici. Maman. Maman, quoi? Est-ce que je mens? Je l'ai vu de mes propres yeux, non? Tapioca, c'est ce que je vois. C'est ce que vous étiez en train de manger ici. Tapioca. Et il va se prendre pour un nom. Tu ne sais pas que la Bible dit qu'un homme qui ne peut pas s'occuper de son foyer est pire qu'un infidèle. Non, je n'ai pas inventé. C'est dans la Bible. Tant que je suis ici, je vais préparer des plats somptueux pour vous. Hein? Des plats somptueux. Ta grand-mère est capable de faire ça. Entre avec ces plats. Ok. Maman, ça suffit. C'est ok. C'est ok, mais on doit lui dire. Ça suffit. Ne bavarde plus. Merci. Hey, va douce, maman. S'il te plaît. Il va t'écouter. Ça suffit. Hein? Ne le laisse pas me donner un coup à l'œil. Mon cœur. Allô? Hi, Obim. Mon sucre. Mon amour, comment tu vas? Écoute, il y a une surprise que j'aimerais vraiment te faire. Mais je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi. J'ai hâte. Je suis tellement enthousiaste, alors j'ai décidé de t'appeler. Oui, je t'ai acheté quelque chose. Voilà, tu te souviens de ces vêtements? Tu te souviens des vêtements que ces filles portaient ce jour? Et tu as dit que tu les aimais. Écoute, je te les ai achetés. Oui. Non. Je ne peux pas venir aujourd'hui, oui. Non, je ne peux pas venir maintenant, je viendrai plus tard. Je vais aller voir, détends-toi. C'est parce que je viens juste te le dire. Hey, mon cœur. Pas de problème. Allez, bisous. Mouah. Hein? Non, je t'ai pas entendu faire bisous. Je t'ai pas entendu. Hein? Hey, mon cœur. Hey, mon petit cœur sucré. D'accord, y a pas de souci, ok? Tu les verras. Je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Allez, vas-y. Hey! Au revoir. Hey! Hey! Mon petit bout de chou. Hey! Hey! Je l'aime tellement. Hey! Hey!
Hey, où est cette fille? Où pourrait-elle être? Pourquoi est-ce que tu te déranges, hein? Elle pourrait être dedans ou n'importe où. Ah. Hey, donc. Où étais-tu? À l'arrière-cour. Qu'est-ce que tu faisais? Laisse-moi, petite fille, tranquille. Oh. Hé, hey, maman, tu me racontais quelque chose. Oui, oh, c'est comme ça que ça s'est passé. Elle est partie avec son premier enfant. Juste comme ça? Juste comme ça, oh. Hey! Certaines personnes peuvent être drôles. Oui, oh. Ogona. Maman. Apporte-moi de l'eau. De l'eau. J'ai très peur. J'arrive. Hey! Hey! Dans cette maison, c'est nous les reines. Est-ce qu'elle arrive? Mais tu es trop comme ça, toi. Mais attends, hein? Tu es trop pressé. Détends-toi, d'accord? Hein? Non, non, je vais juste prendre mon temps. Détends-toi. D'accord, d'accord, pas de souci. Je vais aller voir s'ils sont déjà secs. Puis après ça, je vais prendre mon temps pour les repasser. Puis après ça, tu vois, je mettrai le parfum dessus pour qu'ils sentent bon tingui tingui. Et enfin, je viendrai te les donner. Non, calme-toi, je vais... Tu vas... Obin. Écoute, je te rappelle. Obin, je te... Non, il n'y a pas de sou. Il n'y a aucun problème. Je te rappelle. Mon Dieu. Ogona! Ogona! Chuma! Ogona! Qu'est-ce qu'il y a? Chuma! Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont passés les vêtements que j'ai saisis sur cette corde? Où sont-ils? Mais, papa, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Tu sais pas? Je ne sais pas. Ogona! Où sont passés ces vêtements?
Pourquoi est-ce que tu me poses de telles questions? Hein? Suis-je censé le savoir? Hein? Mais, attends, Ebra, je me demande bien. Que fais-tu avec des vêtements de femme? Non, on m'est reçu au quelqu'un. Tu es folle! Tu es vraiment folle! Tu perds la tête! Maintenant, écoutez-moi. Je crois avoir assez supporté vos conneries dans cette maison. Écoutez-moi bien, je vous donne une heure pour ramener ces vêtements. Sinon, il y aura du feu dans cette maison. Papa, ça doit être les gens que tu as offensés. Hein? Oui. Ferme-la. Que je ne retrouve pas ces vêtements. Que je ne retrouve pas ces vêtements. Je les vais dans l'heure qui suit. Je vous donne une heure. Sinon quoi? De quels vêtements parles-tu? Ikenga, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qui t'arrive? Ikenga, de quoi parles-tu? Hein? Pourquoi n'est-il pas venu me demander? Ne suis-je pas dans cette maison? Je ne sais pas, oh. Chioma, pourquoi l'as-tu fait? Je sais que tu l'as fait. Pourquoi l'as-tu fait? Quoi? J'ai vu un sac en polyester contenant les vêtements dont ton père parlait dans la chambre. Pourquoi? Hey, maman. Vu que papa nous déteste autant, je suis prête. Je suis prête à continuer à le frustrer. Jusqu'à ce qu'il change. Nous voir comme sa famille. Chioma, est-ce que tu réalises que tu es une petite enfant? Et il y a des choses qu'on ne doit pas te voir faire. Hein? Maman, je fais tout ça pour nous. Je ferai n'importe quoi pour m'assurer que papa prenne ses responsabilités. Oui. Fais très attention. Chioma, fais très... Ogona. Ha! Écoute, je sais que Chioma est très petite pour faire ce qu'elle est en train de faire. Mais si tu regardes profondément, tu sauras que ce qu'elle fait est bien. Oui. Nous ne pouvons pas continuer de laisser Ikenga commettre ses actes. Mm-hmm. Alors, s'il faut que Chioma le mette au pas, mais qu'il en soit ainsi. Ah ah! Maman, je lui dis juste de faire attention, qu'elle fasse elle très attention. Elle fera attention. Chioma, il faudra je faire attention. Elle fera attention. Maman! Allez, dégage de là. Maman! Chioma, vas-y, embrasse-la. Chérie, tu ne crois pas ce qui vient de m'arriver. Et je ne suis pas du tout content. Croire quoi? Et où sont les vêtements que tu as dit que tu m'as achetés? C'est bien ça le problème. Je suis rentré et je n'ai retrouvé ces vêtements nulle part. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Attends, tu te souviens que je t'ai dit que j'ai rangé ces vêtements pour te les apporter ce soir? Arrivé à la maison, les vêtements ont disparu. Je suis sûr que Ogona et sa mère, et même cette petite sorcière, Chioma, les ont cachés quelque part. Mais je leur ai garanti que cette nuit, il n'y aura pas de paix dans cette maison. Jusqu'à ce qu'elle me remette ses vêtements. Oh Bim, je ne comprends toujours pas ce que tu essayes de me dire. Tu es en train de me dire que les vêtements que tu as achetés pour moi, tu ne les retrouves pas. C'est bien ça mon problème. Maintenant tu comprends pourquoi je te demande... Alors attends. Tu es en train de me dire que ton épouse et sa mère, ou bien cette petite fille ont pris mes vêtements. Je ne sais pas, mais ces vêtements doivent sortir ce soir. Tu comprends maintenant pourquoi je te supplie de venir rester avec moi? Oui, je veux qu'on combatte ces folles. Écoute, je veux qu'on les chasse de chez moi. Je ne les veux pas. Mais il n'y a pas de souci. Écoute, ce soir, elles vont me rendre ces vêtements. Sinon, il n'y aura pas de paix dans cette maison. Il y aura le feu. Oh mon Dieu. Elles ne savent pas à qui elles ont affaire. Elles me testent. Mais il n'y a pas de problème. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa, c'est toi qu'on attendait. Hein? Vous m'attendiez? Oui, maman est malade. Vous m'attendiez? Oui. Ta mère est malade? Oui. Mais en tant que qui? Suis-je un tradipraticien ou encore un médecin? En tant que quoi? Suis-je un médecin ou un tradipraticien? Est-ce que j'ai une pharmacie quelque part? Papa, s'il te plaît, donne l'argent de son traitement, s'il te plaît. Dégage de mon chemin. Ta, n'importe quoi, petite sorcière, dégage de mon chemin. Papa, je t'en supplie. Ikenga. Oui. Bienvenue. Dieu merci, tu es rentrée. Hein? Ta femme, ma fille, ne se sent pas bien.
Nous avons besoin d'argent pour acheter des médicaments. Maman? Attends, maman. Mm-hmm. Attends, si jamais quelqu'un te dit que moi, Ikenga, va dépenser un sou pour soigner une femme qui me tourmente dans cette maison, tu y croiras? Hein? Ikenga, c'est tout ce que tu as à dire? Ouais, parle-moi de ces conneries. Si quelque chose arrive à ma fille, tu vas le regretter toute ta vie. Oh, s'il te plaît, maman. Maman, je t'en supplie. Écoute, je reviens d'un long voyage. Je suis fatigué. J'ai besoin de me reposer, c'est pour ça que je suis rentré. S'il te plaît. Je ne veux pas d'aller avec qui que ce soit. Écoute, je n'ai pas d'argent à dépenser. Je ne suis pas un tradipraticien. Encore moins un médecin. Je n'ai aucune pharmacie quelque part. Elle est ta fille. Tu peux aussi très bien prendre soin d'elle. Ou tu es juste sa mère par simple appellation. Je ne veux pas les ennuis dans cette maison. Hey, hi. Ah, tu ne sais pas dans quoi tu viens de te mêler. Je vais te donner une très bonne leçon. Grand-mère, je sais ce que je vais faire à présent. Juma, il faut faire attention. Elle le fera. Fais très, très okay. attention. Elle le fera. Choma. Maman. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu vois ces insectes? À chaque fois que tu les vois, enfuis-toi. Ce n'est pas bien. À quoi est-ce que ceci peut bien me servir? Je dois enseigner à cet homme une terrible leçon. Il doit arrêter de se comporter de la sorte. Ok, je sais quoi faire. Ah, oui. Ouais, tu me verras tout de suite. Je suis même déjà en chemin. Oui, j'arrive. D'accord. Ikenga. Je peux te rappeler? Oui, je te rappelle. Maman, mais c'est quoi ces conneries? Maman, mais c'est quoi ce genre d'ennui? Je ne veux pas de problème. À moins que tu veux que je t'en fasse. Ikenga, tu n'auras pas de repos. Tu n'auras pas de repos jusqu'à ce que tu me donnes de l'argent pour le traitement de ma fille. Pourquoi? Entends le poutre là-bas. Non, je suis maintenant Ikenga, la machine à sous. Maman, je n'ai pas d'argent à donner à qui que ce soit. Je n'ai pas d'argent pour un quelconque traitement. Quitte de mon chemin. Maman. Ikenga, tu veux sortir, n'est-ce pas? Tu veux sortir? Ok, vas-y, pas de problème. Je m'en vais. Je pars m'amuser. Je rentrerai pas tant que... Je me suis pas amusé comme un fou. Tu veux que je dépense de l'argent sur cette sorcière? Tu vas partir, mais tu vas revenir. Pas du tout. Je reviendrai pas. Qu'est-ce qu'il y a? Thank you.
grand-mère. Hein? Ne t'en fais pas. J'ai géré son cas. Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai mis des fourmis dans son vêtement. Dans cette maison? À cet endroit où il va, il n'arrivera pas. Il va revenir dans cette maison. Hey! Hey! Mais c'est quoi ça? Hey! Mais c'est quoi ces conneries? Hey! C'est pas... Hey! Mon Dieu! Mon Dieu! Hey! Hey! Oh! Hey! Jésus! Oh mon Dieu! Hey, hey. Vous voyez? Ogon a balayé la maison? Non! Tu m'as fait la vaisselle? Non! Voilà! Aïe. Oh! Mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Mais. Comment c'est cessé ce truc dans mon vêtement? Comment ces fourmis sont-elles arrivées ici? Hein? Hey! Aïe! Oh! J'espère qu'on ne me traitera pas de fou. Mais c'est quoi ces conneries? Aïe! 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 Suis-je en train de crier? Il faut que je rentre à la maison. Amaka, tu sais que tu es ma meilleure amie. Et c'est pourquoi je viens me confier chez toi. Que me suggères-tu de faire dans cette situation? Regarde, Dindi. Toute cette affaire est très compliquée. Je suis aussi confuse. Mais bon, comme tu as dit qu'il va résoudre tous les problèmes qui se soulèveront après votre mariage, alors la seule option, c'est de l'épouser et vivre avec lui. Parce que moi, je ne sais pas quoi faire d'autre. Je sais. À moins que tu ne l'aimes pas. J'aime Kinga. Et c'est pour ça que je vais accepter de l'épouser. Et en même temps, ce n'est pas comme si je vais rajeunir. Dindi, tu es très drôle. Pourquoi est-ce que tu te déranges? Tu devrais être contente. Je suis contente. Pour être sincère, je suis contente. C'est juste que je ne veux pas que quelque chose m'apporte des ennuis quand je vais entrer dans cette famille. Et ça, c'est si on considère le fait qu'il est déjà marié à une autre femme. Franchement, je ne veux pas les ennuis. Regarde, Dindi, suis ton cœur. Épouse-le et aménage avec lui. Je crois que rien n'arrivera. Voilà le meilleur conseil que je te donnerai en tant qu'ami. Hey. Maman. Hey. Hey. Regardez-les. Regardez-les. Maman. Maman, j'ai cru que tu as dit qu'Ogona était malade. J'ai cru que tu as dit qu'elle n'allait pas bien. Mais la voilà en train de manger des biscuits et des cacahuètes. Ikenga, tu as échoué. Donc tu voulais que je sois toujours couchée. Non, tu croyais que si tu n'avais pas donné l'argent, personne d'autre ne le fera. Oh! Hey! 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 Regarde-le. Hein? Ogona, donc tu me trompes dans cette maison? Tu me trompes? Donc tu as un autre homme ailleurs, ça? Pas de problème. Tu peux aller faire tout ce que tu veux. Ça ne me regarde pas. Ce ne sont pas mes affaires. Donc maintenant,
tu vas d'un homme à un autre homme, c'est ce que tu fais, hein? Pas de problème. Mais je vais vous demander de m'écouter, écoutez-moi attentivement. Très bientôt, ma nouvelle femme viendra habiter avec nous dans cette maison. En fait, elle sera là beaucoup plus tôt que prévu. Qu'est-ce que tu as dit? Maman, tu as entendu ça? Hein? Maintenant, Ikega. Hey! Non, maintenant, je suis l'ancienne femme. Hein? Hey! Hey! Donc, tu avais une femme d'ailleurs pendant tout bien ce entendu. Temps. Comme ça, hey! Mais laisse-moi te conseiller. Si tu ne veux pas mourir, toi, hein? Si tu ne veux pas qu'on t'atterre avant le temps, n'y pense même pas. N'essaye hey. Même pas. Je n'ai rien à dire jusqu'à ce qu'elle vienne. Je n'ai rien à dire. Ah, maman, permets à papa de se marier. Après tout, c'est sa maison. Ah, ferme-la. Attends, attends, attends. Chuma, si tu n'as rien à dire, mieux tu te tais, ou mieux encore aller dedans. Hé, 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 non, 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 non. Que personne ne demande à ma fille de fermer sa bouche dans cette maison. C'est chez elle ici. Oui, c'est ça. Oh. Maintenant, tu commences à réfléchir comme ton père. Je vais te donner l'argent. Prends cet argent. Prends, ma fille. Donne-le à ta mère pour qu'elle cuisine un repas somptueux. Ça sera un guise de buffet pour célébrer l'arrivée de ma nouvelle femme. Hey, merci beaucoup, tu es une gentille petite fille. Chuma, c'était quoi tout ça? Maman, tu sais quoi? Ne t'en fais pas. Vu que papa veut se marier, nous n'avons d'autre choix que de faire comme il veut. C'est elle qui dit ça? J'arrive. Je reviens. Hé, hey, qu'est-ce qu'elle raconte? Hé, Kenga, tu ne sais même pas ce que tu es en train de t'infliger. Tu ne sais pas. Maman, je suis prête. Je suis ici avec toi, non? Nous allons voir la fin de cette histoire. Hey! Ikenga, mon oncle, je ne vais pas t'accompagner épouser une autre femme. Mais pourquoi mon oncle? Ikenga, tu es celui qui est tout le temps en train de se plaindre à propos des problèmes que tu as avec Ogona et sa fille, que tu as refusé de résoudre. Et comme si cela ne suffisait pas, tu veux déjà aller épouser une autre femme. Ça ne va pas dans ta tête ou quoi? Mon oncle. Hein? Mon oncle. Mmh. La vérité dans cette histoire, c'est que je n'aime pas Ogona. Hein? C'est une petite que j'aime. Et c'est elle que je vais épouser. En fait, je suis fatigué de la garder hors de chez moi. Y a-t-il quelque chose de mal à cela? Rien de tout cela n'est bien. Y a-t-il quelque chose de mal à cela? Rien de tout cela n'est bien, Ikenga. Hein? Rien de tout ça n'est bien. Écoute, je vais te dire. Rentre et fais la paix avec Ogona, c'est ta femme. Oui! Rentre et réconcilie-toi avec Ogona et ta fille. Et arrête de penser à une autre femme, quelle que soit où elle est. Ah, mon oncle, je suis désolé de te manquer de respect, mais je ne peux pas faire ça. Je n'aime pas Ogona, comme je te l'ai dit plus tôt. Écoute, je vais épouser Ndidi. C'est Ndidi que j'aime. Tout le monde peut raconter ce qu'il veut. Je m'en fous. Mon oncle, je suis assez mature. Ce n'est pas parce que je ne me plains pas. Ce n'est pas parce que je ne me plains pas que je ne te raconte pas ce qui se passe chez moi. Tu veux que je meure jeune? J'espère juste que tu ne vas pas regretter ce geste. Mon oncle, je ne vais jamais regretter parce que je sais ce que je veux. Ah. Je ne mourrai pas avant mon heure. Ah. Mon oncle, mais où est-ce que tu vas? Aïlewen. Aïlewen. Hiya. Oh. Pas de soucis. Regretter quoi? Comme si j'étais un enfant, je ne sais pas ce que je veux. Je suis assez mature pour savoir ce que je veux. Obio. Oui, mon pote. Mon pote. Obio. Mon pote. Tu sais quoi, tu es vraiment un ami. Je vais aider avec ça, ne t'en fais pas. Hey. Obio, c'est bon, laisse-moi t'aider. Eh ouais.
Vas-y, va, entre, fais entre ça. Oh, mon frère, donne-moi. Hey. Oh, Diogo. Hey. Mon frère, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Obi. Hein? Obi, mon ami. Mon pote. En fait, tu es un vrai ami. Mmh. Un ami en or. Mmh. Hey, un vrai ami. C'est ça. Obi, en fait, tu as absolument tout fait. Tu as aidé à partager la nourriture. Tu as aidé à partager le vin. Tu nous as même couvert d'argent. Obi, en fait, quelqu'un d'autre le fera pour toi. T'es merci incroyable. Hey. Mais c'est rien du tout. T'es mon pote. T'es mon ami. Si je ne le fais pas pour toi, dis-moi qui le fera pour toi. T'es incroyable. Je comprends. Je comprends. Merci beaucoup. Bien sûr. Merci infiniment. C'est rien, frère. Ah, chérie, mais tu ne remercies pas, Obi. Obi, tu nous as vraiment beaucoup aidés. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Merci, merci. Pas de quoi, merci. Pas de quoi, pas de quoi. Regarde, voici ta nouvelle maison, maintenant. Ah. Fais comme tu veux. Ah bon? Dans, si tu veux, fais comme tu veux. Mon pote. Obi. Regarde, tu sais qu'on a emprunté cette voiture au chef. Oui. Donc je veux commencer à aller chez lui maintenant et aller lui remettre avant qu'il ne commence à s'inquiéter, hein. Ok, oui, bien sûr, vas-y. Oui. Dépêche-toi oui. Pendant qu'il est temps, tu connais-tu. Ton temps a expiré et le chef va commencer à s'inquiéter. Non, pas donc tout. Donc je vais remettre sa voiture, hein. Pas de soucis, mon frère, vas-y. D'accord. Oui, dépêche-toi parce qu'il n'y a pas de temps. Prenez soin de vous, d'accord. Mon frère, bon retour, merci beaucoup, ok. Ah, merci, Obi. Que le Seigneur te bénisse. Faites attention, faites. Voilà, c'est bon. Au revoir, Obi. Bye. Au revoir. Hé, hey, chérie. Tu es maintenant ma femme. Oui. Hey. Cette vie est incroyable. Hey, c'est viens, vite. On va à l'intérieur. Hey, ma chère, toi, vu la façon dont ton ami parle... Ah, j'espère hey, que tu vas s'y porter. J'ai pensé à prendre... Que tu vas entamer, là. Je me préserve, je suis pas j'espère. Femme. Bonjour. Je m'appelle Margaret. Mais tu peux m'appeler Dindi. Cela ne répond pas à ma question. Qui es-tu et que fais-tu dans ma cour en train de m'allier? Tu sais, je suis maintenant la femme d'Ikenga. En fait, je suis arrivée hier. Mais je n'ai vu personne pour une introduction appropriée. J'espère qu'il t'a dit qu'il a une femme et un enfant avant d'accepter de l'épouser. En fait, c'est moi. Bien sûr qu'il l'a fait. Il m'a dit tout ce que je devais savoir sur toi. Tu sais, j'aime beaucoup Ikenga. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de l'épouser. En fait, il est le battement de mon cœur. Hey. Mm-hmm. Ok. Bienvenue. Merci. Non. Merci. Bienvenue. Ah. Hey. C'était quoi ça? Bim. Mon amour, s'il te plaît, aide-moi à mettre de l'eau dans la salle de bain. Je me laver et sortir. J'ai quelque chose d'important à aller faire en ville. D'accord, mon mari. Ta nourriture sera bientôt prête. Oh. Hey, mon amour, je te remercie infiniment de prendre soin de moi. Pas comme ces sorcières qui sont là dedans. Mais s'il te plaît, fais vite avec l'eau. Il faut que je me dépêche. Ok. Thank you.
Oh, Bim, ton eau est déjà prête. Oh, Bim. Oh, Malicha. Oh. Va le garder dans la chambre. Donne-moi. Tu sais que je suis pressé, je veux pas que quelque chose arrive là-bas dans la chambre. Tu sais que pour toi, je peux tout faire. Merci. J'arrive, d'accord. Ok. S'il te plaît, après le repas. Hey! Bonjour, Tata. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Rappelle-moi encore ton nom. Tioma. Tioma. Oui, Tata. Tata, que fais-tu? Je veux t'aider. Non, tu ne pourras pas faire ceci. Mais t'inquiète, il y a d'autres choses avec lesquelles tu pourras m'aider. Mais c'est sinon, je peux. Ne t'en fais pas, hein. Il y a d'autres choses que tu pourras faire pour m'aider. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'occasion. Je vais utiliser ça pour cuisiner pour mon mari. Ok. Hé, moi! Hé! Oh, Bim! Tu mords! Mon Dieu! Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Bim, qu'y a-t-il? Mon manteau! Oh, Bim, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Jésus! Mon Dieu! Oh, Bim, c'est quoi? Oh, Bim, ça va? Allons à l'intérieur! Allons à l'intérieur! C'est quoi tu me demandes? Oh, Bim! Ça va, ça va! Mon manteau! De l'huile rouge! De l'huile rouge! Viens, va chercher l'huile! Oh, mon Dieu! Oh, Bim, ça va! Va chercher l'huile rouge! Ça va aller, Obim, ça va aller, hein. Tu calmes-toi. Obim, ça va, non, je suis en train de gratter. Le dos. Attends, attendez, je suis en train de gratter. Mon Dieu. Oh, ici. Mon visage. Mais tu veux que je gratte le coup, ça. Je suis mort. Va chercher l'huile rouge, que fais-tu encore là? Obim, ça va aller, hein. Doucement. Oh, tu veux que je gratte encore? Ici. Amène-moi l'intérieur. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime, Obim. Mais qu'est-ce qui t'arrive comme ça, non? Attends, je vais te verser un peu d'eau. Dis-moi. On va voir ce que ça donne. Apporte beaucoup plus d'eau. Ça va. Mon visage. Viens, prends ça. Apporte de l'eau. Vas-y. Apporte de l'eau. Marie. Attends. Ça va aller. Oh mon Dieu. Mon mari. Mais qu'est-ce qui t'arrive comme ça, non? Attends. Vas-y, verse. Verse de l'eau. Qu'est-ce que tu lui as fait? Espèce de sorcière. Tu veux tuer mon mari, n'est-ce pas? Ça fait juste une semaine que tu es ici. Regarde ce qui se passe. Regarde. Je ne lui ai rien fait. Je suis innocente. Aime-la. Tu n'as rien fait, mais pourtant il est dans la douleur. Ça suffit. Je suis désolée. Mon corps brûle. Mon corps est en... Oh, Bim, je suis désolée. Que quelqu'un me donne un mantel à tête. Je ne t'en veux pas. Tu voulais une nouvelle femme. La voilà, épouse-la. Épouse une nouvelle femme. Maman, allons à l'intérieur. Fais face à ce que tu t'es infligé. Oh, Bim, qu'est-ce que je vais faire? Reviens, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu m'as donné? Oui, c'est vrai que c'est moi qui... Mais, Tioma, s'il te plaît, va apporter plus d'eau. Vas-y. Pourquoi est-ce que tu l'envoies? Vas-y. Garde mon corps, arrête de m'envoyer. C'est vrai, Bim, mais je n'ai rien à l'intérieur. Arrête de garde mon corps, c'est en train de mourir. Tioma, dépêche-toi. À l'aide. Oh, Bim, ça va aller, hein. Oh. Mon mari, ça va aller. Désolé, oh, Bim. Désolé, mon mari, hein. Désolé. Tioma, dépêche-toi. Tata, pourquoi est-ce que tu pleures? Tioma. Tata. Est-ce que tu sais que tout le monde croit que je suis la cause de ce qui arrive à mon mari, ton père? Hey. Et même ta propre mère me déteste. Pourquoi? Ma mère? Non.
Ma mère ne te déteste pas. C'est juste que... Elle traverse beaucoup de choses ces derniers temps. T'inquiète, je vais lui parler. Ma mère ne te déteste pas. Je vais lui parler, ne t'en fais pas. Je vais lui parler, arrête de pleurer, ok? C'est bon, c'est bon. Tiens, ça suffit. Est-ce que tu sais que tu es la seule personne qui me soutient dans cette maison? C'est bon. Je suis là pour toi. C'est bon. C'est bon. Ça suffit, non? Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, ça va aller. Mais ça suffit. Ouh. Regarde. Ouh. Ah. Hey. Jésus. Non, c'est très drôle. C'est très, très drôle. Mais oui. Ce qui est vraiment drôle, c'est que nous chantons aussi cela à l'école. Le lion, le lion. Le lion a une queue. Il a une grosse tête et deux très petites manches. Mais c'est vrai. Maman, bonjour. Ah, mais Chegenu, qui est ta maman? Est-ce que je ressemble à ta mère ou à quelqu'un de ta famille? Hein? Oh, mère. Je vois que tu es dans cette maison pour tuer le mari de ma fille. Mais ça ne va pas marcher. Sorcière. Maman, s'il te plaît, je peux accepter que tu me dises n'importe quoi. Mais ne me traite pas de sorcière. Je ne suis pas une sorcière. Je ne suis pas une sorcière. Tu n'es pas une sorcière? Hein? Est-ce que tu n'es pas une sorcière? Depuis que tu es arrivée dans cette maison, est-ce que je t'ai dit quelque chose? Je ne t'ai rien dit parce que je ne sais quoi te dire. Je sais quoi te dire, mais j'attends et je regarde par là où tu vas venir. Lenu ginu osuru bwara maniwe kwake. Grand-mère. Osuru mbori bara wigbako. Nimana. Je ne suis pas une sorcière. Ochako maka. Grand-mère, tu es incroyable. Une fois que j'aurai terminé avec elle, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Oui. Dans cette maison, nous c'est sommes nous les reines. On ne bouge pas un poil. De quoi parlions-nous déjà? Le poème. Tata? Tirma, tu n'as pas l'air contente. Oui. La façon dont grand-mère t'a parlé. Je suis vraiment désolée, ne te fâche pas, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Ce n'est pas grave. Hmm? C'est pour ça que tu n'es pas contente. Oui. Ce n'est pas grave. Bien. Ne t'inquiète pas, d'accord? Tu as déjà mangé. Non. Tu n'as pas encore mangé. Ok, attends. Je vais me dépêcher de finir la cuisine. Hmm? Comme ça, on pourra manger. Tioma. Aïe, ce feu. Ah, j'ai oublié quelque chose à l'intérieur. Viens t'asseoir. Comme ça, tu vas attiser le feu. J'arrive. Je vais aller prendre la tomate à l'intérieur. Aide-moi à éplucher ceci. Hein? J'arrive. S'il te plaît, épluche ça. Je ne connais pas éplucher. Ok, dans ce cas, tu laisses. Je vais prendre la tomate. Ok. J'espère que l'eau n'a pas tari. Non. Ok, hein? Lève-toi. Je vais continuer. Ok.
Montre-moi comment tu cuisines. Je vais te montrer. Je regarde d'abord si le riz est... Le riz est presque cuit. Alors, on va bientôt manger. Tioma. Tu sais que je t'aime beaucoup. Tu es une très bonne fille. Oh. Attends, je finis avec ça et on mange. Tata, qu'est-ce que c'est? Oh, bim. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, mais c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? As-tu utilisé du sable à la place du sel pour cuisiner cette nourriture? Hein? Ndidi, que fait le sable dans cette nourriture? Sable? Le gravier. Oui, hein? Tata, je n'arrive même pas à le manger. On dirait que tu as utilisé un sort de sable pour cuisiner. Moi? Voilà. Mais comment est-ce que le sable a... Tu me demandes? Non, c'est à moi que tu poses la question. Hey. Non. Mais... Excuse-moi. Mon mari, s'il te plaît. Oh, bim. Hey. Mais, Tioma. Tioma. Hey. Tu étais pourtant là quand je cuisinais cette nourriture. Tata, je ne sais pas. Tu n'es pas sortie quand j'étais là parce que... Je ne sais pas qui l'a mis. Oh, bim. Ikenga. Jésus. Non, mais c'est quoi ces bêtises, hein? Vois-tu, dans cette maison, c'est nous les reines. On ne bouge pas d'un poil. Non, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, je suis pas d'humeur. Laisse-moi tranquille. D'accord, rien vu. C'est mon mari que tu veux épouser, n'est-ce pas? Maintenant, tu veux profiter de mon mari avec moi. Comme je t'ai dit avant, sois la bienvenue. Hein? Non, noji à noji. Noma à noma. Tu verras. Ayaka boi, edika fosse. Et où? Chose. Qu'est-ce que c'est? Hein? Attends. Tioma, je sais que ta mère t'a demandé de venir me prendre de l'argent. Tu ferais mieux d'aller lui dire que je n'en ai pas. Je n'ai même pas un sou. Non. Papa, il ne s'agit pas de ça. C'est juste que... Maman ne dort pas la nuit. Elle n'arrête pas de pleurer. S'il te plaît, papa, peu importe ce que maman t'a fait, pardonne-lui. S'il te plaît, pardon. Pardonne-lui. Tioma. Papa. Quel âge as-tu? J'ai 7 ans. 7 ans. Et tu parles comme Mathusalem. 7 ans. Oui, 7 ans. Dieu merci que tu te souviennes encore du jour de ta naissance. Au moins, je remercie Dieu que tu sois assez vieille pour écouter, entendre et parler. Bien, écoute-moi très bien. J'ai dit à ta mère tellement de fois de partir et que je ne voulais plus d'elle. Mais le fait est que
Tu vois, quand on était jeunes, on avait des relations et puis voilà, tu entrais et voilà, on t'a conçu. Mais je lui ai demandé de rentrer chez elle et elle refuse. Ça, c'est difficile pour elle de comprendre. Papa, je t'en supplie. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu chantes? Hé, laisse-moi te dire. Si tu sais pas comment chanter l'hymne national, alors tu peux commencer par les poèmes. C'est quoi ça? Arrête de me murer. Allez, rentre. Papa, s'il te plaît. Va à l'intérieur. Va à l'intérieur. Papa, s'il te plaît, non. Chama, qu'est-ce que tu fais encore là? C'est toi que je parle. Allez, va à l'intérieur. Rentre. Espèce d'idiote. Espèce d'idiote. Va dire à ta mère que je n'en ai pas. Va aider également à ta mère que je ne l'aime pas. Est-ce que c'est obligé de mettre quelqu'un? Hein? Je ne la veux pas. Je sais qu'elle est là. Ogona, je sais que tu m'entends. Je sais que tu m'écoutes depuis là-bas. Je ne te veux pas, rage chez toi. Sorcière. C'est obligé d'aimer? Mais c'est quoi cette histoire? Que personne ne me dérange dans cette maison. Non, viens t'asseoir pour qu'on parle. Comme mari et femme. Pourtant, tu n'as que 7 ans. Tu parles comme Mathusalem. Je ne sais même pas pourquoi tu... Oh, je vais te voir dans cette maison. Je veux pas de toi. Tu vas me torturer dans ma maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi tranquille. Tu vas passer la nuit avec moi aujourd'hui. Tu vas passer la nuit avec moi. Je ne vais plus rester tranquille. C'est mon tour. Je ne suis pas une idiote. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me déshabiller? Ogona, laissez-moi tranquille. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ok, attendez. Laissez-moi choisir la personne avec qui je vais passer la nuit. C'est à moi de choisir la personne avec qui je vais passer la nuit et non vous. Hein? Ogona. Qu'est-ce qui vous arrive? Ogona, respecte-toi. S'il y a une personne avec laquelle Ikenga doit passer cette nuit, c'est moi. Ikenga est mon mari. Je suis la femme légale. Et si quelqu'un doit passer la nuit avec Ikenga, ça doit être moi. Alors s'il te plaît, respecte-toi. S'il vous plaît. Viens remplir tes obligations. Viens les remplir. Viens remplir tes obligations. Tu vas le faire. Laisse-moi tranquille. Fais attention avec moi. Laisse mon mari. Ne sois pas stupide. Attendez. Ne sois pas bête. Qu'est-ce que vous arrive? Laisse-moi tranquille. Ouvre ça. Laisse mon mari tranquille. Laisse mon mari, Ogona. Atina Boutineke. Amouniro me popo boulamo. Odina magina tumbojo. Atina mbraya. Eh wo. Amouniro me fe popo boulamo. Tu vois ma loupia? Qu'est-ce que mes choses sont par terre? Bien gonna. Tout ce que tu veux maintenant, je vais te donner. Hey, c'est quoi toutes ces bêtises? Vas-y, viens. Regarde, tu es en train de retirer ta bouche. Donc tu veux te battre avec moi. Donc tu veux qu'on se batte. Viens. Tu veux qu'on se batte, n'est-ce pas? Viens. Tu n'as aucun respect. Tu veux te battre. Tu veux épouser mon mari avec moi. Moi, on s'en fait rien. Je te fais confiance. On a envie de me dire. Ogona, je vous demande toutes de m'écouter maintenant et de m'écouter attentivement. Prenez ça comme un avertissement à vous toutes aussi. Maintenant, regardez. Cette dame que vous voyez, Didi, elle est ma femme légitime. Je vous demande de lui accorder un peu de respect pendant que vous êtes dans cette maison. Oh, dis-leur mon cœur, dis-leur. Écoutez-moi très bien parce que je ne permettrai
à aucun d'entre vous de se battre avec elle ou de l'insulter dans cette maison. Me suis-je fait bien entendre? Kenga, tu n'as pas du tout honte. Regarde ma jolie fille que je t'ai donnée comme femme. Maman, s'il te plaît, la ferme. Rectificatif, elle n'est pas ma femme. Et la magnifique fille qu'elle t'a donnée. C'est sorcière. Oui, et pourtant tu ne les apprécies pas. Tu es allée là dehors et ramasser cette chose. Comme maman, femme. S'il te plaît. Arrête-toi là. Mon corps, s'il te plaît. Attends, j'ai dit arrête-toi là. Écoute, je ne suis pas une chose. Et ne me traite plus jamais de chose. Je suis mieux que cette traînée qui te sert de fille. Tu l'as entendu? Elle vient de me traiter de traînée. Oui, mais traînée. Gona, je viens juste de te dire que c'est ma femme. Ta sale chose vient de me traiter de traînée. Obiora, il y a le feu chez moi. Le feu? Obiora, il y a le feu chez moi. Ça brûle ta maison. Allons-y. Attends, ce n'est pas ce genre de feu. Je veux dire, les femmes qui sont chez moi ne me donnent pas de paix. Elles ne me laissent pas tranquille. Oh, que vais-je faire? Écoute, Ikenga, je t'ai prévenu de ces choses. Je t'ai prévenu à l'instant où tu as voulu venir avec une autre femme. Je t'ai prévenu. Je t'ai dit que tu creusais ta propre tombe. Regarde maintenant, c'est ce qui arrive. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a la guerre tous les jours dans ma maison. Chaque minute, chaque heure, tous les jours. J'ai même peur de quitter cette maison pour une seconde. Parce que je crains qu'elle se ligue entre elles pour tuer Didi. J'ai peur qu'elle s'en prenne un Didi. Tu sais à quel point je l'aime. Je ne veux pas qu'elle se ligue contre moi. Mais je t'avais prévenu, mec. Écoute, tu n'as aucun conseil pour toi. Tu le vois en tant qu'ami, mec. Parce que quand je t'ai conseillé, mec, tu l'as pris pour acquis. Je t'ai dit, ne fais pas ça. Mais tu ne m'as pas écouté, mec. Regarde, va le résoudre toi-même. Parce que je. À ce stade, moi, je m'en fous, mec. Obiora, va le résoudre toi-même. Obiora, pouvons-nous aller chez moi? Comment? Moi? Suis-moi aller avec toi? Je ne suis pas une non mariée, mec. Je suis très célibataire, je ne sais rien en ce qui concerne les affaires du mariage, mec. Tu sais, tout, mec, va le résoudre toi-même. En ce qui me concerne, je suis dans ma boutique et je n'irai nulle part. Et avant que tu ne viennes, je faisais quelque chose à l'intérieur. Obiora, s'il te plaît, allons chez moi. Qui sait ce qui se passe chez moi à ce moment? J'espère qu'elle ne peut pas quelque chose pour. Obiora, tu refuses de me suivre. Je sais pas ce qui se passe chez moi à ce moment. S'il te plaît, viens m'aider. Obiora! Ogona. Puisque tu as décidé de ne pas quitter cette maison, tu refuses de partir. Comme tu l'as toujours dit, tu ne bougeras pas d'un pouce. Pas de souci. Mais tu dois me promettre que tu vas bien te comporter pendant que tu es dans cette maison. Me suis-je fait bien comprendre? Regarde-toi. Regarde ta bouche, Malala. Moqué. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas dire à cette sorcière sa faute à chaque fois qu'elle a tort? Tout le temps. Ogona, je suis la seule qui a tort. Ogona, écoute-moi. Je me blague avec toi. Je n'en ai pas terminé. Je n'ai pas fini de parler. Maintenant, écoute-moi. Si toutes les deux ne pouvaient pas vivre en paix dans cette maison, je n'aurais pas d'autre choix que de partir de cette maison et de ne jamais revenir. Et je le pense vraiment. Je suis très sérieux. Obim, s'il te plaît, ne dis pas ça. Miko, tu sais que tu es mon mari. Tu sais, s'il te plaît. J'ai entendu ce que tu as dit. Mais je ne veux pas mourir avant mon heure. Obim, Miko, ne dis pas ça. Tu sais que tu es mon mari. Certaines personnes n'étaient pas mariées avant d'entrer dans cette maison. Je me suis fait entendre. Obim, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je me suis fait entendre. Toi. Tu vois ce qu'elle fait? Si tu veux rester dans cette maison, alors respecte-toi. Tu vois ce que tu occasionnes? Tu as juré que tu ne vas jamais me laisser avoir la paix dans la maison de mon propre mari. Tu es vraiment sans vergogne. Agavo, Gangabi, Hakuna Kuna, et puis Kui. Il n'y aura pas de paix pour toi. Est-ce qu'il y a la paix pour les méchants? Non. Tu veux épouser mon mari, n'est-ce pas? Non, tu veux profiter de mon mari avec moi. Ne t'en fais pas.
Tu ne connais même pas les plans que j'ai pour toi. Hein? Ma fafogénité. Pardon, ferme ta bouche. Ferme ta gueule. C'est quoi cette façon de parler? Qu'est-ce que tu veux? Toi, ferme ta gueule. Tu ne sais rien. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Nah. Qu'est-ce que tu vas faire, Ogona, que tu n'as pas encore fait? Je vais te taper. Je vais te taper. Tu me connais. Regardez si je m'occupe de toi. Regardez-moi cette si barre. Pardon. Akono Ike. Peu importe ce que tu fais, tout finira par échouer. Très bientôt, une autre personne viendra. Je suis la seule femme qui Kenga. Oh? Parce qu'il n'a pas payé ta dot. Hey! Ta dot n'a pas été payée, Ogona. La tienne a été payée. Regarde-toi. Juste avec un biscuit. À cause d'un biscuit, tu es écarté. Avec quoi est-ce qu'il en fait, tes jambes? Hey! Chigombe. Hey, où? Regarde-toi. Celle qu'il a dans cette maison. Une autre femme viendra. J'étais sa meilleure. J'étais sa meilleure. Meilleur, il revient toujours vers moi chaque nuit. Oh, il revient toujours vers moi chaque nuit. Regarde-toi. Regarde-toi. Oh, bien, hein? Tu ne vaux rien. Bien, tu ne vaux rien. Oh, Borotia. Reste loin de moi. Je vais te taper. Ewo! Qui m'a fait ça? C'est encore quoi cette bêtise? Koinea, qui a fait ça? Ah, Seigneur! Eh, oh, Bim! Qui a fait ça, non, eh? Qui a fait cette bêtise? Ah! Quelle est cette malchance, hein? Eh? Faut ce qu'on a fait à ma marmite. Qui a fait ça? Hein, Tiama? Jésus! Mais que s'est-il passé? Quelqu'un est venu ici et a renversé ma marmite et tu me demandes ce qui se passe? Mais tata, il se pourrait que tu n'aies pas bien posé la marmite. Qu'est-ce que je n'ai pas bien placé? Oui, peut-être. Pourquoi vous êtes toutes méchantes dans cette maison? Pourquoi vous me faites des choses pareilles? Pourquoi vous me faites ça, hein? Hey. Pourquoi est-ce qu'on me fait des choses pareilles? Mais que s'est-il passé? Qui a versé cette nourriture? Mais quel gars? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Oh, mais regarde ce qu'ils ont fait à ma marmite! Ils ont fait quoi? Regarde, on a versé sa nourriture! C'est tombé. Ça ne me dire quoi ça, non? Je suis fatiguée, c'est tombé du foyer? Comment ça s'est tombé? Quelqu'un a renversé ma marmite! Attends, ce n'est pas le vent qui a renversé ça. Oh, Bim! Non! Chouma, qui a fait ça? Chouma, qui a fait ça? Je ne savais même pas qu'elle cuisinait! Je ne savais pas qu'elle cuisinait! Je ne savais pas qu'elle cuisinait! Non! C'est quand elle criait que je suis sortie. Quelle est ce genre? Où est ta mère? Je ne sais pas. Ta grand-mère est là? Je ne sais pas. Calme-toi, c'est bon. Laisse-moi gérer ça. Je connais les gens avec qui je suis dans cette maison. Ta mère n'est pas là. Et où est ta grand-mère? Je ne sais pas. Va faire tes affaires. Écoute-toi, ta mère et ta grand-mère, j'en ai jusque-là. Je ne veux plus tolérer ce genre de bêtises chez moi. Alors montre-moi où elles sont. Mais... T'en as ras-le-bol? Elle non, part de cette maison aujourd'hui. Elle part de cette maison aujourd'hui. J'en ai marre de ces conneries. Mais, hey, Jésus, j'en veux pas quitter la maison de mon père. Oh, bien, je commence déjà à me fatiguer. Trop, c'est trop. Je ne peux plus supporter ça. Je suis fatiguée. Sortez, oh. qui a versé cette nourriture? On a dit que vous sortez maintenant. Vous devez sortir. Je vais causer des ennuis. Qui a versé cette nourriture? Tu vois cette maison? C'est nous les reines. On ne bougera pas d'un pouce. Mm-hmm. Qui a versé la nourriture? Mais pourquoi êtes-vous si méchant? Je te préviens, va-t'en. Cette maison ne pourra pas... Oh, Bim, elles doivent partir. Cette maison ne va... Elles doivent partir aujourd'hui. Va-t'en. Ah. Il faut qu'elle parte. Tous les jours. Allez, ramasse ton sac. Les problèmes. Mais va-t'en. Laisse ça. Donne-moi ma valise. Vous allez partir aujourd'hui. Je n'irai nulle part. Allez, remets sa valise à l'intérieur. Mettre ça où? Tu vas voir. On verra donc. Je vais te montrer qui cette maison est. Oui, cette.
Toi, ta mère et ta fille, vous allez quitter cette maison aujourd'hui. Ma chère, tu vois cette maison? C'est nous les reines. On ne bougera pas d'un pouce. Après votre récitation, Bénédicte. Vous allez partir. C'est la maison de la famille. Allez, où est-ce qu'elle est là? Tu ne vas pas entrer là, maman. Dégage. Robin. Vous allez voir. Laisse-moi. Tu vas voir ce que tu vois. Allez, vas-y doucement. Tu sais que je suis pas habituée à toutes ces choses. Encore, ne prête pas attention à tout ce qui se passe. Voilà, j'aime la façon dont on se laisse briller. Est-ce que tu peux aussi faire briller l'autre là? Tu sais que je suis ici pour m'occuper de toi. Oh, et j'aime aussi. Merci. Mon mari. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Dis. Mince. Je suis désolée. Je promets qu'à partir d'aujourd'hui, nous vivrons dans la paix. S'il vous plaît. Ah, s'il te plaît, Ogona. Écoute, si tu n'as absolument rien de bon à dire, est-ce que tu peux te dégager? Tu peux voir qu'on est occupé. Dégage! Mon mari, je t'en supplie, je suis désolée. Je ne le ferai plus, je suis désolée. Oh, bim. Le battement de mon cœur. S'il te plaît, pardonne-lui. Elle a dit qu'elle... Je suis désolée. Tu as dit que tu es désolée, n'est-ce pas? Oh, Bim. Au nom de notre amour, s'il te plaît. Elle a dit qu'elle est désolée. Pardonne-lui. Je suis désolée. S'il te plaît. C'est bon. J'ai compris. Hey, merci. Merci. Lève-toi, va à l'intérieur. Merci. Merci. Qu'est-ce qui t'arrive? Merci. Merci. Merci, 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 merci. Elle a même touché ma poitrine. Oh, Bim, ce n'est pas grave. Elle a failli m'embrasser. C'est ta femme. Alors, il faut que tu m'embrasses pour que tu nettoies tout ce qu'elle t'a fait. Oh, Bim, n'oublie pas qu'elle aussi, elle est ta femme. Alors, embrasse-moi pour nettoyer tout ce qu'elle t'a fait. Bien sûr que je vais t'embrasser, mais c'est ta femme. Je le fais pour toi. Je sais. Et continuons ce que nous faisions. Ok. Il faut que tu nettoies celui. Imagine, moi. Tu aurais dû me voir la supplier comme une petite, stupide fille. Et ils se sont fait avoir. Et ils ont tous les deux cru en moi. Taï. Tu es ma fille. Dis-le encore. Alors, est-ce qu'on va s'en prendre au plan? Quoi? Maman, laisse ça pour moi. Je vais m'occuper de... Très bien. Tu me connais. On y a mon voir quoi avec toi? Tu es ma fille. Personne ne prendra ce qui t'appartient. Maman, ne te dérange pas pour ça. Si quelqu'un m'arrache mon homme, surtout ce poulet de ferme, Tidiamaka, je peux m'occuper d'elle. Tu me connais, tu le sais. Moi, elle ne me connaît vraiment pas. Très bien. Moi. Ma fille, tu as vraiment profité de ton sommeil cet après-midi. Viens.
Hey. Adamka. Viens t'asseoir. Ogana, maman. Hein? J'ai grillé les arachides. Et je me suis dit qu'il faut que je vous en apporte aussi. Hey, Wanyoma. Hey, Zibowa Zorazo. Tchaï, Edibalika. Merci. Maman, je te l'avais dit. Elle est une bonne personne, oui, oh. Tu vois. Oui, elle est une très bonne personne. Ma chérie, merci. Merci. Merci, hein. Tchaï. Je serai à l'intérieur. À l'intérieur, ok. Zibowa. Hey. Wanyoma, Oyedim. Maman. Hey, où? Elle croit qu'elle va nous corrompre avec ce petit geste. Elle veut nous empoisonner. Elle a mis du poison. Ça. Qui va manger ça? Elle a empoisonné. Qui va le manger? Qui va manger ça? Continuons avec notre conversation. Ma chérie. Nous sommes les reines. Et on n'en bougera pas. Ton pouce. Hein? Hey. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. Hey, amie. Tu m'as vraiment manqué. Vraiment? Oui, sérieux. Moi aussi. Alors, je suis venue te voir. Comment est-ce que tu vas? Et les autres, comment vont-ils? Ils vont bien, je vais bien. Je suis venue te voir et savoir comment tu... Tu fais de ton mieux. Je vais bien. Je me porte bien. Je l'espère. Je suis contente que tu sois venue me rendre visite. Regarde, Ami. Dans cette maison avant. Hey, hey. La bagarre. On luttait et on se chamaillait tous les jours. Mais j'avoue que je suis contente que les choses se soient calmées. Franchement. Waouh, Dieu merci pour ça. Tu sais, je me suis beaucoup inquiétée pour toi. Sachant très bien que ce n'est pas facile de vivre dans une maison où il y a déjà une femme. Alors, je me suis vraiment inquiétée parce que c'est vraiment difficile, ma chère. Mais maintenant que tout va bien et que vous vivez dans la paix, je vais maintenant bien. Ma chérie, difficile n'est pas le bon adjectif. C'était terrible. Mais au final, on a fini par traverser cette étape. Je suis très contente. Sérieusement, je suis très contente. J'espère que tu ne t'en vas pas maintenant. Parce que je voulais que tu me coiffes. Toi-même, regarde. Hein, regarde, c'est une perruque que je porte. Et cette perruque-ci, je la porte depuis. Il faut que je change de coiffure. Tu commences maintenant, je suis sûre que d'ici là, tu... Je ne suis pas venue ici pour te coiffer, d'accord? Je suis juste venue te voir et voilà ce que je suis venue faire. Allez, change ma coiffure, s'il te plaît. N'oublie pas que je suis ton amie. Ok, ne t'en fais pas pour ça. Avant que je n'oublie, mon frère, je voyage la semaine prochaine. Mon frère m'a demandé de venir. Il m'a finalement demandé de venir. Ah, tu es sérieuse? Ouais. Je suis contente. Je suis très contente pour toi. Oui, je suis finalement très contente. Oui. Ton frère t'a appelé. Donc tu vas nous laisser dans ce village. Mais oui. Merci beaucoup. Merci. Je suis contente pour toi. Je suis très contente aussi. T'avoue quand même que tu vas me manquer. Oh. Donc tu vas me laisser seule dans ce village. Tu es avec ton mari. Laisse-moi aller rejoindre mon frère. Attends, j'offre ta boisson. Hein. Comme ça, tu seras en train de boire en attendant que mon mari rentre. Je vois. Toi aussi. Ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas vu le décapsuleur. Ce n'est pas de ma faute. Oui, c'est ça. Santé. Hé, amie. Quand tu vas me laisser là, je vais faire comment? Oh, bim. Je ne peux pas comprendre. Tout mon corps me fait mal. Commence par me masser les pieds. Ensuite, tu vas masser. Bon, tu vois. Tu sais que je vais toujours le faire. Oui, tu vas masser. Ma mère a dit de vous donner ceci. Hein? Maman? Maman. Maman? Cette journée commence bien. Qu'est-ce que c'est? C'est la nourriture. Elle vient juste de la cuisiner. Hey! Eh wow! Mbanou! Maman? Remercie-la de ma part.
cas, je viendrai la voir après. Oh, ok. Hey, maman, nous a donné à manger. Vraiment? Pour une fois, elle se comporte comme une mère. Je t'assure. S'il te plaît, je lui dirai merci de ma part. Et demande à Choma de m'apporter de l'eau à boire. Ok. Maman a vraiment changé. Régalez-vous. Maman a vraiment changé. C'était incroyable. Tu sais, cette nourriture qu'on nous a donnée sans eau, prions. Oh, Bim, tu as besoin d'eau. Seigneur, nous te remercions pour ce repas que tu nous as donné. Bénis ce repas, bénis également les mains qui l'ont cuisiné. Amen. Protège-nous pendant que nous mangeons ce repas, éternellement. Dieu nous prend en garde afin que rien de mal ne puisse nous arriver. Amen. Cette nourriture qu'on nous a donnée sans eau, j'espère que je ne vais pas m'étouffer. Oh, Bim, tu as besoin d'eau. Tu veux que j'aille chercher de l'eau? Oh, maman. La surprise. C'est vraiment de la nourriture. Fais la lessive. Oui. Hey, je voulais aussi faire la lessive, mais je vais laisser que la tienne sèche d'abord, avant de faire la mienne en espérant que le soleil ne partira pas. Oui, je suis sûre qu'il y en aura encore. Pas tant faire, ce sont des vêtements légers. Ils seront bientôt sèches. Oh, pas de soucis. De se rapprocher de moi, quoi. Tioma. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Tata, tes vêtements sont tombés, alors j'ai décidé de les ramasser pour toi. Comment ça? Mais je viens à peine de laver ces vêtements. Tata, t'inquiète pas, je peux t'aider à les relaver, si tu me le permets. Non, ça va, je vais les relaver. Hein? Oh. Ah.
Non, ça va, laisse. C'est quoi ce genre de bêtises? Ça va, va les laver, non? C'est juste quelques vêtements. Lave-les et sèche-les. Vêtements que je viens à peine de laver, ils viennent encore de tomber. Je suis fatiguée de laver ces habits. Le vent a emporté la tente. Emporté. Comme ça? E-M-P-O-R-T-E. C'est le passé d'emporter. Ma chère. Maman. Comment tu vas? Je vais bien. Je suis en train d'aller au marché. Va bien, ok? Tata, achète-moi quelque chose du marché. Ok, je vais te garder. Qu'est-ce que tu vas acheter au marché? Je vais acheter quelques ingrédients pour la sauce. Ah, les ingrédients pour la sauce. C'est une bonne idée. Tu veux faire la sauce aujourd'hui? Quand tu vas arriver au marché, achète ces choses à très bon prix. Tu sais que les choses sont très coûteuses maintenant. Achète-les au bon prix. Et comme ça, tu pourras gagner de l'argent. Hein? Ok. Ok, ma chère. Au revoir, je pars bien. Maman, je l'ai écrit. Laisse-moi. Va m'apporter de l'eau à boire et dis à ta mère de venir me voir. Ok. Bien. Je reviens. Maman? Gona, regarde. Depuis là, je suis encore en train de cuisiner. Le bois me refuse de brûler. Regarde comment il y a la fumée partout. Mais tu ne l'as pas bien allumé, hein? Ne t'en fais pas, je vais t'aider, ok? Ok. J'arrive. Il n'y a pas de souci, ok? Tu es revenue. Agona, c'est bon, je suis revenue. Tu peux laisser. Ne t'en fais pas. Je ne veux pas que tu te déranges. Ok, pas de soucis. Je vais aller voir. Jusqu'à ce que tu finisses. Ne t'en fais pas, le repas sera bientôt prêt. J'espère que tu vas manger ma nourriture. Au quoi goût? Je vais manger. Je vais manger. Du courage. Je suis en train de me perdre le temps. C'est délicieux. Donc, la période des légumes. Je vais beaucoup te faire les légumes pendant cette période. Mon cœur. Vu la façon dont tu tournes la bouche, j'espère que tu es calme. J'espère que tu n'as pas pris mon morceau de viande. Non. Je demande juste. Parce que je ne sais pas combien de mètres. Maman, ils sont en train de se régaler. J'espère que tu as tout mis dans la mamie. Maman, tu me connais. J'ai tout mis dedans. Tu es ma fille. Tu vas voir comment ils vont s'en tirer avec ça. On verra bien. Regarde, dans ce nous sommes les reines. On ne bougera pas. Donc pousse. Ils verront. On y va. On y va. Bien sûr. Allons-y.
Pourquoi tu as... Je vois quatre plats. Donc, c'est ça, tu as le plat de sauce. Tu crois que je l'ai pas remarqué? Je vais la doser. Ah, vas-y doucement, doucement. Elle est très lourde. Je vais la boxer. Arrête ses pieds. Pousse-la. Idiote, tu vas dormir là. N'importe quoi. Stupide fille. Si je te donne un coup. Chèvre. Stupide. Regarde. Animal. Hey. Ferme ça. Elle va dormir dehors. Mais sérieusement, les animaux. C'est dumb. Regarde, un idiot. Si je te donne un coup, laisse tu vas. Ma chère. N'importe quoi, animal. Hey, ma chère. Ma. Cette maison. Dans et cette maison. C'est nous les reines. On ne bougera pas. Dans laissons-le dormir ici. Il va dormir ici. Où devrait-il aller? Dans ma chambre. Idiot. Animal. Robim. 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 Ikenga. Hein? Obim. Hein?
J'arrive. J'arrive. Où es-tu? Où est-ce que tu es? Ikenga! 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 Oh, Bim, ouvre-moi la porte, hein? Kenga, ouvre-moi la porte. Ouvre la porte. C'est seulement je vous avais écouté. Aïe. Aïe. Et Kenga, qu'est-ce que tu t'es infligé? Qu'est-ce que tu t'es infligé? Hey! Ikenga! Ikenga, mais qu'est-ce qui t'arrive, mec? Tu commences à perdre la boule? Obiora, tu as dit commencer. Regarde-moi. Regarde-moi, je perds déjà la boule. Ma vie est gâchée. Hey! Si je savais que les choses allaient se dérouler de cette façon, j'aurais écouté ce que mon oncle et toi m'aviez dit à propos d'épouser Ndidi. Je savais pas que le fait d'épouser Ndidi allait être un gros problème pour moi. Maintenant, je regrette absolument tout. Maintenant, tu regrettes. Hein? Ikenga, si tu n'étais pas mon ami, je t'aurais donné une bonne gifle. Obira, s'il te plaît. Une très bonne gifle. S'en prie, ne me gifle pas. Ne me gifle pas. Ça m'énerve juste de te dire que je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu, mec. Je suis désolé, mon frère, que tu l'as fait. Mais j'ai carrément refusé de t'écouter. Écoute, tu sais, si je savais que les choses allaient prendre cette tournure, j'allais faire la paix avec ma femme Ogona et ma fille Choma. Hein? Regarde où j'en suis maintenant. Hey! Me marier à Ndidi était sans doute la plus grosse erreur de ma vie. C'est la plus grosse erreur. Hey! Ndidi. C'est bon, ça va. C'est bon. Ça suffit. Pourquoi m'as-tu déçu de cette façon? Ça suffit. Je croyais. Ça suffit, mec. Ah. Calme-toi. Ça suffit. Hey. C'est bon. Pourquoi m'a-t-elle déçu à ce point? C'est bon. Je croyais en elle. Tu sais à quel point je l'aimais. Ah. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code
plus 234 si vous êtes à l'extérieur. À Forevo, le guichet unique pour tout divertissement.